J'apporte mon plein et entier soutien à Christian Jacob pour de très nombreuses raisons. D'abord, c'est un ami toujours, c'est un homme politique pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de respect. Nous connaissons depuis avant même la campagne victorieuse de Jacques Chirac en 1995. Je me souviens encore des mots de Jacques Chirac qui était impressionné par l'énergie, la force et le caractère qui étaient ceux de la personnalité du jeune président du Centre National des Jeunes Agriculteurs. Jacques Chirac l'a appelé ensuite à ses côtés pour mener cette campagne victorieuse. C'est un souvenir éternel et ça forge aussi une amitié qui est elle aussi gagée sur l'éternité. Son parcours est exemplaire. Partout il est passé, partout il a exercé des responsabilités. Il a réussi avec ses qualités d'intelligence, de compréhension des situations, de sens du consensus, sans jamais s'éloigner des valeurs gaullistes qui l'ont forgé comme homme politique et sans jamais s'éloigner non plus des racines qui l'ont forgé comme élu local et qui lui ont donné aussi cette dimension nationale de serviteur de l'État comme ministre et d'écoute de nos territoires avec une immense compréhension au fond de ce qu'est le chemin de la France. Je lui souhaite évidemment bon vent, je lui apporte tout mon soutien. Il sait pouvoir s'appuyer sur les amis de Troyes, sur les amis de l'Aube. Il sait pouvoir s'appuyer sur les amis de toujours. Nous sommes un certain nombre et nous avons beaucoup d'espoir dans sa candidature. Il lui appartiendra naturellement de porter d'abord l'esprit de rassemblement, ensuite la définition d'un projet d'alternance, dans le respect naturellement de ceux qui sont actuellement en responsabilité, mais c'est notre devoir au nom des gaullistes de l'accompagner et de le soutenir. Et puis le temps nous amènera aussi à l'esprit de conquête et Christian aura un rôle absolument majeur et dominant.